Cette nouvelle émission qui a commencé la semaine dernière. On était avec vous le mercredi dernier, mais dorénavant, ce sera les mardis et les mercredis de 15h à, on va dire, 16h15, voilà, en direct à partir du boulevard des Martyrs, ici, au siège de l'EPTV. Canal Algérie vous propose donc cette émission, je l'espère, qui sera sympathique, riche également en invités, mais surtout en chroniques, puisque les chroniques se sont installées tout doucement. Ça va continuer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, justement, Hicham Daou sera avec nous. Il est déjà avec nous. Il est bien installé avec son chèche qui ne le quitte jamais. Il a plusieurs couleurs d'ailleurs. Hein. Oui, ouais, c'est ça. C'est un amoureux de l'Algérie et surtout du chèche. Voilà, Hicham nous emmènera dans un super beau voyage. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, moi, je sais que, par exemple, lorsqu'on parle de flamant rose, on pense souvent, je ne sais pas, à la beauté, à la nature, à s'apaiser, à, par exemple, des t-shirts où il y a un flamant rose pour les enfants. Eh bien, ces flamants roses existent bel et bien ici en Algérie et c'est ce que vous découvrirez dans quelques instants dans sa chronique El Marsam. Il y aura également, justement, pour qu'on soit complet, un photographe qui sera également avec lui. Il est bien installé. Lui aussi. Et il s'agit de Wuldaïssa Qassi qui lui a roulé sa bosse hein, dans le domaine de la photographie. Il vous proposera de sublimes photos entre ses voyages ici en Algérie. Un petit coup de cœur aussi pour un autre pays que vous découvrirez dans quelques instants. Il nous parlera de son amour justement pour la photographie, ce qui va certainement vous attirer pour aller visiter les quatre coins de l'Algérie. Ne dit-on pas que voilà, le photographe nous donne envie d'aller voyager et c'est l'une de ses missions qu'il partagera avec nous dans quelques instants. Un autre invité sera avec nous en deuxième partie. Alors lui, je l'adore. J'ai eu de la chance encore une fois puisqu'il est venu passer quelques vacances ici en Algérie. Il s'agit du chanteur Youss. Et oui, qu'on connaît depuis déjà les années 90, 2000. Il faisait partie du groupe Intik. Ensuite, il s'est lancé dans une carrière solo. Il a su marier le reggae avec la musique algérienne. Et il a décidé de nous rendre visite dans cette émission. Souriez, vous êtes sur Canal, sans parler de la chronique de Leïla Assas, Mama Africa. J'ai essayé de me mettre dans l'ambiance aujourd'hui pour cadrer avec cette chronique. Elle nous parlera aujourd'hui de l'Afrique. Et on aura avec nous un invité surprise via Skype ou par téléphone pour parler d'un événement qui intéresse la communauté algérienne qui se trouve à Montréal, au Canada, puisque le 4 février prochain, il y aura une super belle soirée pour vous, les Algériens, qui êtes installés à Montréal. Vous pourrez aller assister. Il y aura plusieurs artistes. Je ne vous en dis pas plus, puisque l'un des artistes sera avec nous tout à l'heure par téléphone ou par Skype. Voilà, je pense que tout est dit, tout cela agrémenté de clips, de musique, de moments sympathiques. Et souriez, vous êtes sur Canal, ça commence tout de suite avec... d'abord, on va accueillir notre invité, notre premier invité, le photographe Wuldaïssa Qassi. Bonjour. Bonjour, Leïla. Marhaba bik. Allah yislamak, marhaba bik. Ça va? Ça va, ça va, très bien, alhamdoulilah. Il vous quitte jamais l'appareil photo, hein? Toujours avec vous. Zouja, c'est Zouja Diali. Zouja, c'est on va dire c'est un membre. C'est un membre de... C'est une partie de moi. D'accord. C'est une partie de moi qui ne me quitte jamais. Pourquoi? C'est... On va dire que avec la photo, c'est... C'est une seconde mémoire, c'est avec ça que je réalise mes clichés et tout. Et j'essaie de mortaliser qu'est-ce que je vois et de partager ma façon de voir les choses avec des amis ou là, avec la famille. Ou là. Et j'imagine que vous en avez vu des choses. Hein. Oui, on va dire que j'ai commencé autant que passionné depuis mon jeune âge. Et autant que professionnel, ça fait plus de 10 ans, ouais, 12 ans, que je travaille dans la photo. Mais autant que passionné depuis toujours. Ouais. J'étais toujours un amoureux de la photo. Et vous vouliez en faire votre métier? On va dire que j'ai tout plaqué pour la photo. J'ai fait des études en génie mécanique. Waouh! Et j'ai travaillé une année à Hassim Saoud. Et juste après, j'ai tout plaqué pour faire de ma passion mon gagne-pain. Eh ben c'est ça, quand on aime, voilà, on oublie tout et on se consacre à sa passion. Et vous c'est en ça. Êtes l'exemple. Et ça dure depuis 2011, je pense. Allah Ibarak, et j'espère que ça va continuer à, j'espère, dans j'espère. Toutes les années à venir. Hicham, bonjour. Yeah, bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alors, je vous voyais le regarder avec passion parce que je pense que vous comprenez, vous aussi, quand vous partez comme ça, en mission, en reportage, à la découverte de villes algériennes, vous avez aussi votre appareil photo. Oui. Mmh. Ma caméra aussi. Oui. Et on essaie toujours de partager et de voir les décors à travers le zoom. Ouais. Voilà. Et ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire la première réflexion, non seulement de voir, d'apprécier et de partager par la suite avec le grand public. Mmh. Oui. Pardon, ce qui est magique dans la photo, c'est qu'on peut être les deux dans le même lieu et avoir deux perspectives différentes.
Chacun sa façon de voir les choses et chacun son angle de vue et sa façon de cadrer ou d'imaginer l'espace. Et chacun, par quoi il est attiré? Peut-être que Exactement. Ce qui va vous attirer, vous, ne va pas forcément attirer Michel ou quelqu'un d'autre, n'est-ce Juste pas? Un petit détail, par exemple, il va aimer les photos en couleur, moi je vais aimer les photos noir et blanc, lui il va aimer les plans serrés, moi je vais être plus dans le large et tout. Alors chacun, ça ne veut pas dire qu'on est dans la même place, on va avoir les mêmes photos, au contraire. Chacun sa vision, chacun comment il voit la chose. D'accord, mais quand on est photographe, est-ce qu'il faut déjà à la base avoir un don? Parce qu'il y a certains métiers où il faut avoir un don, c'est-à-dire c'est inné, même si on prend des cours, même si on fait tout ce qu'il faut, on n'arrivera jamais à faire les choses bien si on n'a pas cette fibre, ce don. Est-ce que vous l'avez? Je pense que c'est obligatoire, je pense ça. Mm-hmm. Après, il y a tout ce qui est formation et tout. Mais avoir un don ou avoir une sensibilité déjà. Ouais. Quand on est sensible à la beauté, sensible à un truc, on va le capturer d'une manière différente. D'accord. Alors, moi, ce que je dis pour les gens qui n'ont pas cette sensibilité-là, il faut qu'ils habituent leur regard sur les belles choses et sur que de beaux sujets pour avoir de beaux sujets. Pour que ça se déclenche. Pour que ça se déclenche, exactement. Ouais, il faut un élément déclencheur. Il faut habituer. C'est de l'artistique aussi. Oui. C'est-à-dire, chaque être humain a son côté artiste. Oui. Mais par la suite, ce qui fait la différence entre l'ordinaire et un artiste, c'est ce développement de ce côté artistique. Et la photo, c'est comme le théâtre, c'est comme la Tout musique. Tout à fait. C'est un art à part entière. C'est une façon de voir la beauté universelle à travers soit l'appareil ou à travers les notes ou à travers les textes. Alors, je suis en train de vraiment... On va voir dans quelques instants les photos de notre ami qui vont défiler parce qu'on a dû choisir. Vous en avez tellement. Oui, j'ai essayé de faire une belle sélection avec le script Ennis et je pense qu'on a réussi notre coup. Mais pour parler, je suis vraiment attirée par votre appareil photo parce qu'aujourd'hui, on remarque que ça a même évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes qui utilisent des appareils photo numériques. Oui. Est-ce que vous restez fidèle aux anciens photos, aux anciens appareils comme celui-là, ou vous travaillez aussi avec les appareils numériques? Cet appareil-là, il n'est pas aussi ancien que ça. Ouais, c'est l'un des nouveaux. Ouais. Par rapport à la taille et tout, Est plus lourd, quoi. Il est plus lourd, c'est vrai. Mais on voit maintenant que ça s'est banalisé. Mm-hmm. Il y a les gens qui prennent des photos avec des téléphones et tout. Ouais. C'est, ça dépend. Ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas. Ça dépend de l'utilité de la photo. Mm-hmm. Par exemple, si moi je travaille avec une boîte de com, mm-hmm. je ne pourrais pas faire des photos avec un téléphone parce qu'on ne pourra pas agrandir les photos, on ne pourra pas faire grand-chose avec. D'accord. Mais si, par exemple, avec les youtubeurs et les influenceurs utilisent que le format portable, on peut utiliser la photo. Moi, je dis à chaque fois que c'est vrai que le matériel est indispensable, mais le photographe, c'est l'élément déclencheur pour faire de belles photos. Très bien. C'est voilà, très il important. A tout résumé et ça se voit, c'est vous connaissez. Très important. C'est le savoir-faire. On peut prendre de belles photos avec un téléphone. Il suffit bien de cadrer, de bien se positionner. Là, on est en train de voir quelques photos. Alors, celle-ci, elle m'a vraiment marqué. Hein. Oui. Oh, vous êtes très fort dans les portraits, les visages. Je suis plus attiré par les portraits. Ouais. C'est des photos, comment dirais-je, c'est des photos vie réelle. Ouais. C'est des photos, non, c'est pas des poses et tout. C'est des... Ça, c'est lors de l'un de vos voyages, ce qu'on a vu en premier. Oui, c'était à Katmandou. D'accord. C'était au Népal, je suis parti un au mois. Au Népal. Oui, je suis parti un mois. Bah, je, voilà. Je suis resté un mois chez un gourou hindou. Pendant un mois au Népal, et j'ai fait presque même la moitié de l'Everest. Waouh, ça aussi, hein, ce qu'on est en train de j'ai voir. J'ai fait 4000 mètres. La montagne la plus dangereuse de... T'as l'Everest qui s'appelle Annapurna. Mmh. Et je suis resté là-bas ça vous a plu? Un mois. Ça m'a changé... Dépaysement total. Ça m'a changé le sens de la vie carrément. Ça ouais. m'a changé. Ah bon? Ah oui. Vous les chauffez d'une autre manière? Bien sûr, bien mmh. sûr. Ouais, c'est, des gens, c'est des gens simples, mais qui... Qui vous donnent gaouchin, qui sont très généreux. Ouais, très généreux. C'est souvent contrairement comme ça. À d'autres pays qui sont vraiment riches et tout, mais. Qui ne vous donnent rien. D'accord. Vrai. On va continuer à voir des photos parce que, voilà, là par exemple, c'est chez nous. Là, c'est, là, c'est chez nous, là, c'est la main des Juifs, ouais. c'est à 10 km de mon village. C'est ouais. la Kabylie. C'est la Kabylie. Ouais. Tout à fait. Il y a d'autres. Voilà, ça aussi, ça c'est ça, chez nous. Ça, c'est Monkey Temple, c'est le temple des singes.
Katmandou. J'ai fait plusieurs pays, mais Katmandou, c'est... Ça vous a marqué? Ah, ça m'a marqué. Ça, et pourquoi vous êtes vraiment spécialisé dans les portraits? Là, on voit défiler pas mal de photos sur des portraits. Là, c'est une femme africaine. C'est une malienne. Ouais. Voilà, j'avais reconnu. Je me suis dit sénégalaise ou malienne. Mais vous êtes attiré par les portraits et vous ressortez vraiment ce qu'il y a de plus beau en ces personnes. Je suis attiré par les portraits parce que c'est, comment dirais-je, c'est authentique. Ouais. Si vous voyez mes photos, je suis plus attiré par la Kabylie et le Sahara. Oui. Parce que c'est des régions là où ils sont toujours, il y a toujours les tenues traditionnelles. Ils sont toujours avec leur... Ils tiennent à leur tradition. Ils tiennent à leur tradition et j'essaie d'immortaliser, de garder des clichés par rapport à l'avenir et tout, parce que je sais qu'avec la mondialisation, ça va disparaître, je pense. Ouais. Lilia, je voulais juste poser une question à notre ami. Le portrait, c'est pas aussi une façon d'immortaliser l'appartenance morphologique à une telle ou telle culture? C'est vrai, parce que déjà, ça change d'une région à une autre. Mm-hmm. Alors là, de partir jusqu'à 5000 kilomètres, j'ai fait des portraits il y a 20 ans de cela à Timimoun et un photographe là-bas m'a dit que celle-là c'est des photos que j'ai fait en 2012 à Tamanrasset et un photographe allemand il m'a dit que avec le temps ils vont avoir de l'importance, plus d'importance et de valeur. D'accord. Ah, celui-là, il est magnifique. Moi, elle m'a vraiment... Le regard, hein. Les visages de l'extrême sud restent quand même très authentiques. Très expressifs, le regard. Aussi, est-ce que vous avez trouvé durant votre parcours des ressemblances dans les extrémités? Par exemple, ressemblances entre l'Himalaya ou les gens de quelque part dans le monde? J'ai trouvé que les gens du Népal, par exemple, surtout dans les montagnes, parce que dans l'Himalaya et tout, ils ressemblent plus à la région, elle est rude, elle est comme chez nous, les hauts plateaux certaines et tout. Régions, certaines régions, ils ont les... Peut-être les mêmes traditions. Les mêmes traditions, la manière de se comporter, de vivre, d'avoir des moutons, d'avoir des petits potagers comme ça et tout. C'est presque la même chose. C'est génial. Accueilli tous chez eux. Ils m'ont accueilli. J'étais tout le temps très très bien accueilli chez eux. D'accord. Oui. Eh ben donc vous allez continuer, hein, j'imagine. J'espère. J'ai fait plusieurs pays, pas que le Népal. Oui. Mais c'est un pays qui m'a vraiment marqué. Qui vous a marqué. En plus de l'Algérie. Oui, ouais. Oui, l'Algérie. Parce qu'on voit dans vos photos, on n'a pas tout passé, mais il y a le sud, Rdaya, la Kabylie. J'ai fait presque les 58 wilayas et en 2007, j'ai fait du stop de Bermondraïs jusqu'à Timimoun. En stop, oui. Et les photos que j'ai réalisées en 2007, elles étaient exposées en Allemagne, à Hambourg. Waouh! Donc, vous avez participé à des expositions comme ça à l'international? Une fois en Allemagne, à Hambourg, une autre manifestation qui s'appelle Algérianisme à Londres, et plusieurs d'autres manifestations ici en Algérie aussi. Franchement, bravo, c'est un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment vous vivez? Vous travaillez pour des magazines? Bon, pardon, on ne va pas citer. Non, bien sûr. Mais vous travaillez, j'imagine. Je travaille en freelance pour des boîtes de prod. J'essaie de... Dommage que le marché de la photo artistique n'existe pas en Algérie. Pas encore. Alors, on fait des photos juste pour le plaisir des yeux, pour les partager, pour nous-mêmes. Mais après, pour gagner sa vie, on fait plus de l'événementiel et tout. Ouais. Et on fait de la photo publicitaire et de l'événementiel. Ouais. Et vous aimeriez que ça change? Bien sûr. J'aurais aimé vivre de la photo que j'aime, pas de la photo que les gens me demandent de faire. Joindre l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable. Je fais déjà à moitié. Qui te roche, dis-moi. Toi, la caméra, et nous, la photo. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous écouter parler de photographie parce que vous donnez l'envie aux téléspectateurs, pourquoi pas, de s'y intéresser. Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent qui vont se dire « Ah bah tiens, je vais m'y mettre à la photo, je vais penser différemment. » Moi, j'ai tout plaqué pour la photo. C'était un peu difficile la période de Covid, mais c'était difficile pour tout le monde, cette période-là. Oui, c'est vrai. Mais là, ça commence à...
Ça commence, ça reprend et tout ça, alhamdoulillah. Je vis de ça depuis plus de 10 ans, alhamdoulillah. J'adore ça, j'aimerais que ça continue. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite et merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. J'imagine que vous avez une page qu'on peut aller visiter. Votre page, elle est alimentée par les photos? Oui, c'est sur Facebook, Instagram, sur Facebook, Wulda Issa Qassi, tout simplement. Et vous allez voir plein, des centaines, pour ne pas dire des milliers de photos. Wahdat Nsikoum fait l'okhra, c'est simple. Donc allez-y, Instagram, Facebook, Wult Qassi, Wult Issa Qassi, voilà, et vous allez tout retrouver. Vous restez avec nous justement parce qu'on va parler de tourisme dans, tout de suite avec la rubrique de Hicham Daou, El Marsam, et je suis sûre que vous allez apprécier son reportage, parce que peut-être que vous avez visité cette région, je ne vous en dis pas plus, il le dira. Juste après le jingle. Alors, Hicham Daou, vous habituez à sa chronique El Marsam, elle fait vraiment partie intégrale de cette émission et à chaque fois, il nous permet de voyager. Lui, il a la chance hein, parce qu'il voyage, mais nous, on voyage à travers ses images et surtout aujourd'hui, on va voir vraiment des images très très belles. Effectivement, parce que la région où on part aujourd'hui, c'est une région connue pour l'industrie pétrolière. Mais j'étais agréablement surpris par rapport les décors, mais aussi les zones humides. Je ne m'attendais pas quand on trouve dans un lieu pareil des oiseaux migrateurs, des dizaines, voire des centaines d'oiseaux migrateurs qui transitent chaque année par ces régions. Alors, je vais vous interrompre. C'est-à-dire, si je comprends bien, qu'au départ, quand vous êtes parti, vous n'êtes pas parti pour filmer les flamants roses. Vous êtes parti pour autre chose? Initialement, je suis parti pour tracer un circuit touristique visuel. Voilà. Mais j'étais vraiment ébloui par les décors trouvés sur place. Mm-hmm. C'est-à-dire des zones humides dans la région de Ouargla, mm-hmm. à plus de 820 km au sud de la capitale Alger. Ouais. Vraiment, en plus, l'offre culturelle que la ville dispose, là, plein les yeux. Des étendues d'eau et c'était extraordinaire. C'est encore une facette de l'Algérie. Pardon ? C'est encore une facette de l'Algérie que peut-être certains ou beaucoup ne connaissent pas. Parce que quand on dit Ouargla, on a tendance... Le sable. Non, plus Hassim Saoud, le pétrole. Ouais. Mais de trouver l'or vert, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Et à partir de là, j'ai eu la chance aussi de rencontrer un ornithologue qui m'a aussi partagé, qui a partagé avec moi des informations très très intéressantes par rapport aussi à l'oiseau prestigieux que j'adore, c'est le flamant rose. Ah, le flamant rose, ça fait rêver, hein, n'est-ce pas Manel, caméraman qui est en face de moi. Oh là là, les flamants roses, je ne sais pas, c'est quelque chose de particulier, ça plaît aux enfants, aux adultes. Ça reste quand même comment on appelle ça, un oiseau, un quoi, un animal, un oiseau, un mammifère. Enfin, c'est un oiseau migrateur. Un oiseau migrateur. Qui reste, je ne sais pas, mystérieux, c'est un mystère. Mystérieux, les flamants roses. Sensible. Il représente la joie, la gaieté, la beauté et surtout la noblesse. Tout à fait. Voilà. Eh ben, vous nous donnez envie d'aller voir votre reportage tout de suite, d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui. On y va? Yalla. Avec les flamants roses. Ah oui. Un sujet signé, bien sûr, Hicham Daou. Cette région est souvent associée à l'activité pétrolière. L'or noir fait encore de l'ombre à d'autres trésors. On ne s'imagine pas qu'au milieu de cette nature désertique se cache un environnement magique. Des étendues d'eau à côté de magnifiques dunes de sable doré. Une zone humide est un terrain gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire. Les zones humides peuvent revêtir plusieurs aspects. Prairies ou forêts humides, marais, et se trouvent parfois là où on s'y attend le moins, comme ici dans cette région de Ouargla. Les zones humides du Sahara et parmi elles les zones humides de Ouargla. Les zones humides ont une source d'eau principalement qui vient du drainage des palmeraies qui sont voisines à ces zones humides. La deuxième source d'eau, c'est les eaux usées utilisées au niveau des ménages dans les villes.
Monsieur Bouzid est un ornithologue, mais aussi un spécialiste des zones humides à travers le territoire national. Cette flore, elle abrite aussi une faune. Et parmi la faune qui existe au niveau de El Beda, on a premièrement les oiseaux d'eau, qui est un indicateur biologique des zones humides. On a aussi des insectes, on a des reptiles, on a des amphibiens, on a même des poissons. Beaucoup de zones humides dans cette région de Ouargla sont classées par la convention Ramsar. D'autres, non moins importantes, attendent de l'être à leur tour, comme ce magnifique lac de Sefioul. C'est la plus grande zone humide au niveau de Ouargla, donc elle s'étale sur 3000 hectares. Et dans cette zone humide, il y a eu juste envie de vous dire, allez, réveillez-vous à la régie. Tout le monde se réveille parce que là, le sujet, il nous a tous laissé comme ça. C'est beau, c'est apaisant, c'est reposant. Franchement, merci Hicham pour ce très, très beau reportage, sujet. Hein. C'est beau, hein. Moi qui connais la région, oui. Et on peut dire que je suis natif de presque natif. De parce que j'ai habité au Ouargla depuis 85. D'accord. Et jusqu'à maintenant. C'est une région, très très belle région, qui est connue vraiment pour son pétrole et tout, mais c'est une grande wilaya. Et je suis sûr qu'il y aura d'autres trucs à voir à la wilaya de Ouargla. D'accord. En tout cas, Hicham, vous avez pris, j'imagine, du plaisir à filmer tout ça. Oui, parce qu'à chaque fois, quand on marche, on tombe sur d'autres zones humides. Et pour capter les coucher de soleil et tout. Ouais. Donc, on a dû vraiment accélérer et laisser d'autres choses pour pouvoir filmer, pour pouvoir partager avec nos téléspectateurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce reportage aussi coïncide avec la journée mondiale des zones humides. Tout à fait. C'est bientôt. C'est bientôt, c'est le 2 février. Février. Alors, les zones humides... souvent, on entend aussi le mot Ramsar. Alors, c'est une convention qui a été signée en 71 dans une ville iranienne, Ramsar. Et cette convention est entrée en vigueur en Algérie en 1984. Alors, c'est des zones protégées à caractère international et destinées pour les oiseaux d'eau. D'accord. Voilà, donc c'est ça les zones par rapport aux zones humides et la convention à Ramsar. Et cette convention œuvre dans la protection et dans la durabilité de ces zones qui sont vraiment sensibles par rapport à l'écosystème et par rapport à l'environnement. Justement, avec les changements climatiques oui. que le monde oui. subit, est-ce que ces zones sont touchées? Oui, certainement. Mais ce qui est intéressant, que l'Algérie aussi a la chance de posséder des zones humides dans le Grand Désert et aussi dans le Nord. Et il y a plus de 50 sites classés Ramsar. D'accord. Donc c'est énorme pour un pays. Ah ben voilà. C'est toutes les mystères et la richesse de l'Algérie qu'on découvrira certainement avec vous. Oui. Je pense que la station de Ouargla est très importante parce qu'elle est juste au milieu. Il y a Gardaïa et Ouargla, c'est vraiment l'ombril de l'Algérie. De Ouargla à Alger, il y a presque 1000 km. Oui. Et d'Alger à Tamil Rasset, presque 1000 km. Alors c'est une station très importante pour les oiseaux, pour qu'ils se reposent et tout, pour qu'ils reprennent leur voyage vers le nord vers ou vers le sud.
Ou vice-versa. Voilà. Justement, ces flamants roses, par exemple, moi, je suis curieuse de savoir, quand vous les avez filmés, est-ce que vous avez dû prendre beaucoup de distance pour ne pas les effrayer? Oui. Est-ce qu'ils ont bougé? Est-ce qu'ils ont senti qu'il y avait une présence étrangère? Oui. Parce que c'est très important, ça aussi. Je parle d'une manière générale, que ce soit les oiseaux, les animaux. À chaque fois, il faut prendre vraiment ces précautions et que ce soit le silence. Il ne faut pas absolument les déranger. Oui. Parce que c'est leur univers paisible. Et ce qui est intéressant, ça veut dire qu'ils sont devenus sédentaires. Ils ont trouvé tout le climat adéquat pour se nourrir et se reproduire. Ouais. Ce qui fait le charme de cet être. Mm-hmm. Et en plus, dans la région de Mnéa, une fois avec mon drone pour filmer, ça m'a fait de la peine. Ouais. Mais vous avez pris j'ai vos précautions. Tout fait pour prendre quelques images, pour immortaliser. Mais la sensation pour voir avec les yeux reste énorme. Oui, mais ça, on ne peut pas être à votre place. Malheureusement, on se contente des images. Pour oui. avoir une belle photo, mm-hmm. le photographe il doit s'effacer et faire comme s'il n'est pas là pour avoir une belle photo. Alors, c'est ce qu'il a fait, je pense. Avec la caméra. Il a essayé de s'effacer, de les laisser dans leur environnement et de prendre... Très bien. Eh bien voilà, en tout cas, c'était super agréable de discuter avec vous deux. Finalement, vous êtes complémentaires. Hein? On dirait qu'on travaille ensemble. On dirait que vous connaissez depuis des années. Je connais Mnéa, je connais. Ça va être un le voyage, vous l'avez dit, Mnéa. Hicham, comment vous allez clore cette chronique? D'abord, on rappelle donc le rendez-vous, la journée mondiale. La journée des zones humides, le 2 février. Voilà, et j'invite nos téléspectateurs de faire un tour du côté de Ouargla. Il y a des sites comme Omerraneb, comme El Beda, comme le lac de Sefioun. En plus, la Casbah de Ouargla qui reste quand même, il y a l'offre culturelle qui est super intéressante. Il faudra nous faire un sujet sur la Casbah de Ouargla. Oui, oui, ah oui. Spécial. Ah oui, d'accord. Ah oui, avec plaisir. Alors, on se retrouve demain pour Inch'Allah. Une autre chronique, Marsam. Demain, ça va être, j'en dis pas plus. Oh, ouais. Demain aussi, ça va être du lourd avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de la réussite? La réussite, la santé, Adamakan. Mm-hmm. Oui. Saha. Adamakan. Et beaucoup de voyages, beaucoup de photos, Inch'Allah. Beaucoup de découvertes, beaucoup de travail dans ce que vous aimez, dans ce J'espère. Qui est tourisme, Inch'Allah. Etc. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, je le rappelle, Wild Issa Qassi qui était avec nous, photographe professionnel, s'il vous plaît. Il est venu partager un moment avec nous, nous parler de sa passion pour la photo et surtout vous donner l'envie de vous y intéresser et de vous intéresser à tout ce qui nous entoure. Comme il a dit tout à l'heure, il faut savoir regarder le beau, Exactement. N'est-ce pas, pour pouvoir... Tout le fainik. Voilà, tout le fainik. Merci beaucoup, Hicham. À demain. À demain, Liga. Allez, dans quelques instants, nous allons recevoir un autre invité. Il s'agit de l'artiste Youss, qui est en vacances ici, en Algérie. Donc, on en a profité pour l'inviter. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de plateau, en tout cas au niveau de Canal Algérie. On est très content de le recevoir. D'ailleurs, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter l'un de ses clips. Moi, j'adore cette chanson. Elle est...
Et c'était Youss à l'œuvre. C'est incroyable, hein, c'est un artiste qui dégage tellement d'émotions, il est classe. Il suffit qu'il bouge juste un petit peu, il a une voix spéciale et un style très particulier. C'est pour ça qu'on est très content de le recevoir aujourd'hui. Youss, ça va? Ça va. Bonsoir aux chers auditeurs. Je suis super content d'être là aujourd'hui et encore une fois avec toi. Pas autant que moi. Franchement, je suis super content d'être là, pouvoir parler un peu des projets futurs, des projets passés. J'ai guetté l'arrivée de Youss. Quand j'ai appris que tu étais là, j'ai dit, il ne faut pas que je le rate cette fois-ci. Tu es venu en vacances quelques temps, voir la famille. Voir la famille, oui. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir d'être là. En plus, t'as bonne mine, hein? Oui, d'ailleurs, tout à l'heure. Alhamdoulilah. Voilà, faudra venir plus souvent, alors. En tout cas, bienvenue. Je vais présenter, bien sûr, celle que vous allez retrouver dans quelques instants. Vous allez vous habituer à elle, hein, parce qu'elle vous proposera à chaque fois sa chronique Mama Africa. Il s'agit de Leïla Assas. Leïla, toute jolie, bonjour. Merci, bonjour, Leïla. Ça va? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Alors, on continue de voyager en Afrique. La semaine dernière, c'était une petite présentation de qui était Leïla Assas. Aujourd'hui, je pense que les gens savent qui vous êtes, qui tu es, enfin bref, vous, tu. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on continue dans la découverte de l'Afrique. De notre joli continent, oui. Général, oui, voilà. Absolument. On va en parler dans quelques instants. D'abord, tu connais Youss? Oui, je le suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Pendant le confinement, il a été très actif. Paradoxalement, j'ai un bon souvenir du confinement. Tant mieux. J'ai passé beaucoup de temps avec les gens sur les réseaux. Je faisais ce qu'on appelle Konpa Life à l'époque. C'était pour partager les moments hadouk d'enfermement avec les gens et pour dire que même si on n'a pas les moyens, il y a toujours possibilité de faire quelque chose et de partager des moments, l'aventure humaine, quoi. Donc elle peut continuer, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, tu as bien fait, hein, parce que ça nous a tous fait du bien. On attendait à chaque fois les lives de Youss. Avec, bien sûr, des fois, tu étais accompagnée. Des fois, avec des musiciens. Avec mon petit garçon, des fois. Petit garçon. On s'est beaucoup attaché à son petit garçon. Il est juste adorable. Et encore, hein, on ne connaît pas tout sur ce petit garçon. On va en parler dans quelques instants. Mais pour le moment, le retour de Youss. Alors, qu'est-ce qui se prépare, Youss? Parce que pour refaire toute ta biographie, je pense qu'il nous faudrait beaucoup plus qu'une heure d'émission. On peut dire juste que Youss a commencé durant les années 90. Oui. Tout à fait, début des années 90. C'était plus le rap, j'étais dans un groupe de rap qui s'appelle Antique, exactement. Et après on est parti, on est parti en France, on a été signé dans une grande maison de disques, après on a fait deux albums, deux grandes tournées, et puis voilà, après je suis parti un peu en solo parce que je voulais exploiter d'autres horizons. Il y avait des thèmes que je ne pouvais pas forcément aborder quand j'étais dans un groupe de rap. Et moi, je suis plus chanteur que rappeur. C'est vrai, c'est-à-dire que tu as compris tout de suite que tu avais une belle voix. Parce qu'en général, quand on fait du rap, on n'a pas une belle voix, on parle. Pas forcément. C'est le cliché qu'on a. Oui, mais après, il y a des rappeurs qui ont aussi une belle voix. C'est un peu un cliché, mais moi, c'est plus par rapport au thème. Et j'ai estimé que j'avais fait le tour. Donc, je voulais aller voir d'autres horizons. Je voulais partir à la recherche de moi-même. Je voulais mélanger le shabi avec le reggae. Exactement, je me suis dit, on a une culture tellement riche qu'on n'a pas besoin forcément d'aller ailleurs. Donc je me suis dit, le shabi, mais j'en passe, il y en a plein. Et c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré dans ma vie. Et donc, arrivé à un moment dans ma maturité, je dirais, artistique, c'est ressorti tout seul et ça a donné, comme le titre qu'on vient d'écouter, les Habzin. C'est un mélange de reggae et de shabi. Vous avez trouvé finalement la bonne astuce. C'est pas évident. Hein, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai trouvé ou c'est elle qui m'a trouvé. L'essentiel, vous vous êtes retrouvé. Voilà, on n'aurait pas pensé à du shabi reggae et finalement, ça donne très très bien. Ça le fait très bien. Moi, j'adore cette espèce de métissage qui colle très bien. Hein, d'ailleurs, le shabi, on peut le mélanger avec tout.
Ouais. C'est comme un plat de cuisine, il faut juste doser les... Tout à fait. Et transition toute faite, c'est pas fait exprès. Vous m'avez tendu la perche parce que tout de suite, vous allez rester avec nous jusqu'à la fin. Mazel, on va encore parler Yous, Leïla, mais vous avez parlé de Chabé. Et justement, tout de suite, je vous propose l'invité surprise. Et l'invité surprise se trouve à Paris en ce moment, lui qu'on connaît, lui qu'on a souvent entendu, lui qui nous a bercés pendant des années, qu'on a même écouté. Moi, il y a une chanson qui m'a marquée, celle d'un feuilleton ou de plusieurs feuilletons. Il est même comédien, il ne fait pas que du Chabé. Je suis sûre que vous le connaissez, Yous. Il s'agit de Nordine Allen qui est avec nous par téléphone. Merci. Nordine, bonjour. Bonjour. Marhaba bek. Ça va? Voilà, Yous, il vous salue, Ouattani, Leïla vous salue, tout le monde vous salue. Ça fait plaisir de vous voir. Un grand artiste, super voix. Lui aussi, il a une voix très particulière, hein, Nordine Allen. Alors, Nordine, comment ça va? Ça va, très bien, ça va. Alhamdoulilah. Alors, c'est un peu froid ici. Ouais, j'imagine. Hein. Vous diminuez le son de la télé, comme ça on pourra bien s'entendre, n'est-ce pas? Parce qu'on devait vous avoir... La télé. Elle est éteinte. Très bien. Alors, Nordine, si j'ai tenu à ce que vous soyez avec nous, d'abord c'est parce que vous nous manquez. On aurait aimé que vous soyez là, parce que là, depuis quelques années, vous vous êtes installé à Paris, c'est ça? Non, c'est-à-dire, je fais les va-et-vient. Je ne suis pas installé, je fais les va-et-vient. Là, pour le moment, je me retrouve. Je me trouve à Paris pour du boulot, pour quelques soirées. D'accord. Mais sinon je suis là pour faire un voyage un peu particulier. Dans la nostalgie, un peu loin. Ouais, d'accord. Ce sera. Sinon, je vous laisse. Bien sûr, je vais avoir le soin de présenter pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui. Non, ça c'était pour vous dire que la prochaine fois, quitte qu'on fasse Zaire. Il faut venir, d'accord? Oui, bien sûr. Voilà. Hadi, on ferme la parenthèse. Maintenant, vous appelez pour annoncer à cette communauté algérienne qui est très nombreuse et qui est installée donc au Canada et spécialement à Montréal, qu'il y aura donc un super beau spectacle, une belle soirée. Ce sera donc le 4 février où il y aura des artistes comme vous, Hakim Salhi ou encore Abdullah Al-Kurd, tiens, et le tout organisé par l'artiste Jamal Lahlou. Et d'ailleurs, vous serez donc présent à cette soirée. Oui, Jamal Lahlou. Allez-y, on vous entend. Donc, vous serez présent. Jamal Lahlou, il est connu, c'est un chanteur d'abord. C'est un chanteur Chabi. Bon, je profite tout à l'heure à Chabi. Je crois que nous avons été à Chabi. Chabi ou Reggae. Jamal Lahlou, c'est un chanteur Chabi. Il est organisateur du spectacle, donc il connaît bien son métier. Voilà. Il est très connu en tant que chanteur, en tant qu'organisateur au Canada. Oui. Donc il sera parmi nous dans la soirée aussi, Jamal Lahlou. Il y aura Hakim Salhi, il y aura Abdullah Kurd, il y aura Fouad Filali, le magicien, notre magicien qui réside au Canada. Qui réside à Montréal, bien sûr, depuis longtemps. Oui. Donc il y aura un beau plateau, il y aura un plateau riche. Donc une belle soirée. Avec des chansons algériennes, du Chabi, du Raï. Du Constantinois, ce sera varié, il y aura de tout. Un peu de tout. Voilà, de toute façon, on a mis l'affiche, on a pu voir l'affiche qui était à l'instant sur les écrans. Voilà, on voit les quatre artistes. Alors, vous-même, Hakim Salhi, Jamal Lahlou et Abdullah Al-Kurd. Et j'espère que ça va continuer parce que, comme vous le dites, Jamal Lahlou est un artiste qu'on a reçu plusieurs fois ici à Canal Algérie. Et il organise souvent comme ça. J'espère qu'il fera appel à Yous, pourquoi pas, pour aller au Canada et rencontrer cette communauté algérienne qui veut avoir des artistes algériens. Donc, on vous souhaite vraiment une belle soirée. Bien sûr. Bien sûr que si. Yous, il est talentueux, bien sûr. Voilà. Ça sera son tour, bien sûr. Inch'Allah. Il y a un homme de talent, il y a un homme algérien. Et le public algérien, quel qu'il soit... Où il soit, il ne demande que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait froid. Il fait très froid en ce moment. Vous allez le rapporter de la chaleur. Hein. Ça, c'est sûr.
Ah oui, dans la soirée, moi je suis sûr qu'il y aura une chaleur. La température de l'intérieur, ça sera l'opposé de l'extérieur. Parfait. Carrément. Eh ben, on vous souhaite une très très belle soirée, Nordine Allen. On rappelle le rendez-vous donc le 4 février. À partir de quelle heure? Je crois que c'est 18h. J'ai pas bien. C'est là-bas, c'est à partir de 18h. Voilà. Je crois, ouais. Voilà, 18h heure. Ça se passe dans une salle où ça s'appelle le Château Classique. Je connais pas particulièrement. Eh ben, vous allez la découvrir. Je vais la découvrir, oui. Merci beaucoup, Nordine Allen. Et on attend que vous soyez ici à Alger pour venir nous rendre visite avec grand plaisir dans les studios. Voilà, et vous passerez le bonjour à toute la communauté algérienne qui se trouve à Montréal. Merci beaucoup. Je vous souhaite un agréable après-midi. Yatek Saha, Nordine Allen. Merci beaucoup et à très, très vite. Voilà, ça, c'était pour... pourquoi pas aller vous aussi à la rencontre de la communauté. De toute façon, c'est prévu. C'est dans prévu, les projets d'un futur proche, je dirais. Et juste pour souligner, on a déjà travaillé avec Nordine sur le titre Dardari. Oui, donc, c'est vrai. Voilà. J'oubliais. Pourquoi vous ne l'avez pas relevé? J'ai oublié, moi. Comment fallait ça le relever. Je voulais pas vous interrompre. J'ai oublié. Vous étiez... Non, fallait le dire, c'est pas grave. Là, c'est pour la petite info. Voilà. Alors, Youss, de quoi on va parler? On va parler de ce qui se prépare. Parce que là, on a fait une petite... Enfin, vous avez vraiment résumé. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un artiste solo, accompagné de ses musiciens que vous choisissez. Oui. Hein, je sais que vous êtes très pointilleux, très pointilleux sur les musiciens. Il y a différents instruments de musique. Elle est très riche, votre musique. Oui, il y a un mandol, il y a un banjo, il y a une mélodica. C'est un petit instrument comme ça. Quand on joue, il a le son d'un accordéon. Ouais. Et après, c'est la formation classique, basse, batterie, guitare, clavier. Mm-hmm. Et donc voilà. Et c'est vous qui composez? Oui, c'est moi qui compose. Écriture et composition. Écriture, ouais. Mm-hmm. Donc vous vous enfermez dans votre bulle? Voilà, ouais, je m'enferme dans ma bulle et je travaille. C'est selon, je ne décide pas, j'ai l'inspiration qui me tombe dessus et il faut juste la choper au bon moment. Et en ce moment, vous êtes inspiré? Oui, je suis beaucoup inspiré. En ce moment, je découvre Matob Lounès, l'artiste, et non pas l'homme engagé, mais plus l'artiste. Mm-hmm. Et je suis en train de travailler sur un titre pour lui rendre hommage. Mm-hmm. Et c'est un titre avec Amine Tamash, Mohamed Amine Tamash. Oui, lui aussi très connu dans le domaine du chabé. Voilà, exactement. Lui et son père. Exactement. Mm-hmm. Et avec Cher Cédric aussi. Mm-hmm. C'est un artiste algérien que je salue d'ailleurs. Mm-hmm. Cédric. Et donc voilà, il y a plein de morceaux comme ça. Il y a un album qui se prépare. Oui, au fait, je me fixe pas, je me dis pas je vais faire un album. Mm-hmm. Je laisse aller mon inspiration là où elle a envie d'aller et quand ça s'arrête, et ben ça sera ça le projet. Mm-hmm. Je me mets pas la pression en me disant que je vais faire un album. En plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Mm-hmm. C'est bien de sortir titre par titre, exploiter le titre des mois, c'est 3-4 ce qui marche mois. De toute façon, oui, voilà. Hein, parce que j'ai reçu beaucoup d'artistes qui disent voilà, finalement, ça ne m'intéresse pas de sortir un album, ça m'intéresse plus. Bah, c'est assez lourd quand même à porter aussi un album, donc stratégiquement parlant. C'est mieux de sortir titre par titre, l'exploiter le titre et passer à un autre titre. Et le voilà. Consommateur a changé et les habitudes de l'artiste. Oui, c'est un peu ça. Quoi. On est en 2023 et il faut s'adapter à son époque. Très je bien. Donc, voilà. Et l'Afrique dans tout ça, vous continuez hein, je suis le africain. Reggae. Oui, je suis africain. Même si bon, le reggae c'est jamaïque, mais. Oui, mais il y a toujours un rapport avec l'Afrique. C'est avec l'Afrique, les Jamaïcains. Diaspora. Ils viennent tous d'Afrique, les Jamaïcains, je dirais. Hein, donc oui, l'Afrique, c'est dans mes veines, c'est en moi, c'est dans mon ADN. D'accord. J'ai grandi avec Moré Conté, avec pas mal d'artistes africains. Bob Marley, Youssou N'Dour, il y a pas mal d'artistes. Que Salif Keita aussi, Fela Kuti. Donc voilà, je me sens africain, mais complètement africain. Voilà, donc, là on est tous africains. Voilà. Et des fois les gens oublient un peu. Un peu beaucoup. Exactement. C'est pour ça que nous, et encore une fois, vous me tendez la perche. Aujourd'hui c'est génial, tous les invités me tendent la perche pour aller vers autre chose. Et puisque celle qui est avec vous, Leïla Assas, présente une rubrique, donc Mama Africa. Et d'ailleurs, c'est le moment. C'est tout de suite, Mama Africa.
Voilà, Mama Africa, vous allez vous habituer à cette chronique tous les mardis et les mercredis pour parler de notre africanité, de ce qu'on ne connaît pas forcément de l'Afrique et dont on est fier d'ailleurs. Et Leïla, vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Absolument. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, un petit tour? Aujourd'hui, on voulait faire un petit tour 360 degrés de l'Afrique. Ouais. Donc c'est la première chronique dédiée à l'Afrique. On ne voulait pas s'attarder sur des chiffres forcément ou des statistiques, ouais, mais plutôt en fait parler de l'importance de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité. Donc elle est composée de 54 pays, c'est très riche d'un point de vue linguistique, d'un point de vue culturel, ethnique aussi, mais c'est surtout le berceau de l'humanité. C'est une phrase qu'on entend très très souvent, et concrètement qu'est-ce que cela veut dire? Les chercheurs, donc en paléontologie, en fait toutes les recherches admettent que l'humanité a démarré de l'Afrique, donc 200 000 ans donc avant notre ère, et puis... Ça, c'est ce que disent les paléontologues. Oui, absolument. D'accord. Et bien après, l'homme a foulé d'autres continents. Mm-hmm. Donc, c'est l'Afrique, le berceau de l'humanité. En fait, tout a commencé par l'Afrique. Absolument, absolument. Et c'est souvent, en fait, des allégations, des injonctions qu'on entend parfois de par les Occidentaux qui parlent d'un continent sans histoire, d'un continent sans civilisation. On l'entend souvent, mais je pense que c'est dû à notre lourd passé de colonisation en Afrique. Alors que l'Afrique, en quelques noms ou quelques mots-clés, c'est des civilisations comme l'Égypte antique, bien évidemment, on n'est plus à présenter, mais c'est aussi le royaume du Mandingue, le royaume au Mali, le royaume du Dahomey, un peu moins connu qui est au Bénin, les royaumes numides, donc la civilisation en Afrique du Nord. Et puis nous avons aussi, bien avant ces royaumes et civilisations, des vestiges néolithiques qu'on peut admirer en Algérie, au Tassili-Niger, mais aussi en Libye, oui, donc le Sahara du Fezzen libyen. C'est en fait toute cette richesse qu'il faudrait mettre en avant. Mais à mon sens, la plus grande richesse de l'Afrique reste sans conteste l'humain. Mmh. Ben, c'est nous. Et sa diversité, surtout. Sa diversité, absolument. Ouais. Donc c'est nous. Mais c'est surtout en fait une population très très jeune, la plus jeune au monde. D'accord. Donc avec plus de 400 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. D'accord. Donc ce qui constitue une grande force en soi. Mmh. Puisqu'on parle de musique, et puisque Youss est avec nous, aujourd'hui l'industrie musique africaine est une des plus prolifériques. Mmh. Donc que ce soit en matière de design, de musique, de cinéma. Donc c'est devenu vraiment le plus grand laboratoire. D'ailleurs, si on prend juste ces dernières années, les titres qui fonctionnent le plus ou qui marchent le plus à travers le monde, c'est soit des rythmes africains, soit des rythmes latino-américains. Bon, exactement, ça c'est le reggaeton et tout. Oui. Oui. Mais la musique africaine, c'est elle qui a le plus de succès. Absolument. C'est des artistes exactement africains qui sont le plus à la mode en ce moment, n'est-ce pas? Comme des artistes comme Magic System. Depuis les années 90. Depuis les années 80, je disais, il y avait Mori Conti à l'époque, et donc voilà, l'Afrique c'est le rythme africain, il est très spécial. Disons que le rythme africain englobe tous les autres rythmes. Ouais, c'est ça. Donc voilà, si on a le rythme africain dans la peau, on n'aura pas de mal à bouger sur un autre rythme, je dirais. C'est vrai. Donc, on a cette chance là. Voilà, on a cette chance. Oui, Leïla. Donc la musique aussi. Finalement. La musique, oui, très, très riche. Très, très, très riche. Il n'y a pas une, mais des musiques africaines. Il n'y a pas un rythme, mais des rythmes, africains qui vont du plus complexe au plus simple, on va dire. On peut apprécier la musique africaine, même en Algérie. Le raï africain, qui sort de l'Algérie. Donc, ouais, classé patrimoine mondial. Depuis peu, donc on en est très, très, très fiers. On a aussi des musiques polyphoniques très riches, comme l'Ahlil. Nous voyons ici la jeune fille derrière. C'est pour ça que voilà, vous avez un petit peu vendu la mèche, mais bon, l'Ahlil, il en sera. Allez, je dévoile, il en sera question justement demain dans la rubrique de Hicham Daou El-Marsan. Tu parleras de l'Ahlil. Ça aussi, ça reste tout un patrimoine. Mais je ne savais pas, c'était une coïncidence. Aujourd'hui, il y a des coïncidences, mais ça va, tout va bien. Il n'y a que des perches. Et des connexions. Tout le monde est connecté, et c'est comme ça, ce sera comme ça, je l'espère, à chaque fois avec vous. Oui. Alors, donc vous l'avez compris, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mais c'est aussi son avenir. Voilà, bravo, franchement, bravo. Vous avez bien terminé. C'est le berceau de l'humanité et c'est aussi l'avenir, parce qu'il y a tellement de choses en Afrique, absolument, sur tous les plans,
n'est-ce pas? Oui. Tous les plans. L'Afrique est riche surtout sur tous les plans. C'est un terrain vierge où on peut, il reste beaucoup de choses à faire. Mm-hmm. Donc voilà. Franchement, je pense que l'Afrique, c'est le futur de l'humanité, quoi. Voilà, berceau et futur de l'humanité. Ouais, voilà. Très bien, vous restez avec nous, oui, Leïla. Oui, bien sûr. Leïla, j'aime bien parce que tout ce que vous portez aujourd'hui, c'est 100% africain. Oui. Ouais. Oui, hein, c'est très joli. Quelques pays. Les bijoux, vous pouvez nous dire, par exemple, Mali, oui, en fait, Sénégal. Là, par exemple, Algérie. Ouais, Algérie. Oui, 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 c'est un déblise qu'on peut trouver au sud-ouest. Donc, c'est beau. C'est lourd, ça? Ça a l'air lourd. Assez lourd. Assez lourd, assez, voilà. D'accord. Et plus la tenue. Le collier, c'est un ami qui me l'a offert, c'est un ami sénégalais qui me l'a offert. Ouais, vous avez de la chance, hein? Oui. En tout cas, vous êtes toutes jolies, vous représentez bien l'Afrique. Voilà. Alors, Youss, ce qu'on va faire tout de suite, c'est écouter une autre chanson, si vous le voulez bien. Oui. Hein, un autre clip. Celle-ci, je l'adore. Volontiers. Franchement, je l'adore. En fait, vous l'avez reprise aussi. Si je vous dis Yarbé. Yarbé, Tbet l'Akol. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette chanson? C'est par rapport à la situation. J'ai vu que l'être humain commençait un peu à s'éloigner de son humanité. Ouais. Donc je voulais faire un titre pour rappeler aux gens l'essentiel et que rien ne dure et tout est éphémère sur cette terre. C'est une reprise aussi. Non, c'est la vôtre. Non, oui, celle-ci, c'est... Oui, j'ai toujours pensé que c'était une reprise. Parce qu'elle est bien faite. Oui, vous savez, je pensais que c'était une chanson, je vous assure, patrimoine. Je pensais que c'était patrimoine ou l'Anqa qu'il avait, l'Airmo qu'il avait chanté en premier. C'est mes inspirations. Finalement, c'est la vôtre. Oui, oui, c'est la première nouvelle. Titre, d'accord, merci pour l'info. Bah, je t'en prie. Voilà. Allez, on l'écoute. On l'écoute tout de suite. Allez, on y va. Yarbit bit l'akhol. Hajamatum,
ايوا امبارح راك ربحت اليوم رحت شفت الطبيب ما جاكش النوم اللي جاي يدعاوي الشرق ويموت مهموم ويا لازيز حاجه ما تدوم ايوا امبارح راك ربحت اليوم رحت شفت الطبيب ما جاكش النوم اللي جاي يدعاوي الشرق ويموت مهموم Voilà, super belle chanson, super beau titre. Là, c'était, je rappelle que c'était un live à la salle Ibn Zaydoun en 2019. 2019, voilà. juste avant le Covid. El Monsebat à le Covid. Voilà. Donc, voilà. Et c'était, je me rappelle, il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde. Tout le monde attendait ce concert. Ouais. Je ne sais pas si il y a été. Non, mais non, parce que non, je vivais à Timimoun à l'époque et j'étais très frustrée de rater ce concert. De l'avoir raté. Oui. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Voilà. C'est prévu justement. Pas tout de suite. Je finis d'abord mes projets. Enfin, je dois faire mon travail que je dois faire d'abord et après, bien sûr. Il ne faut pas trop attendre aussi, parce que le public demande du You sur scène. Ouais. Parce que voir You sur scène, c'est très particulier. Bah, c'est-à-dire que tu es en connexion avec non seulement le public et avec tous tes musiciens. Oui. C'est-à-dire que tu te déplaces d'un musicien à l'autre. Bah oui, ça fait partie, c'est un partage. Donc moi, j'aime bien aller taquiner sur scène mes musiciens, aller rigoler un peu avec eux. C'est ça, il faut s'amuser sur scène. On ne va pas monter, qu'il m'a le coincé un peu. Moi, j'aime bien m'amuser sur scène et discuter avec le public. Et ça se passe généralement très, très bien. Mm-hmm. Donc oui, j'ai hâte de remonter sur scène ici à Alger. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier que tu as gardé de cette scène? Oui, ma mère, la Yerhama. Je sais, j'étais sûre. C'est pour ça que j'attendais que tu le dises, la Yerhama, qui avait assisté ce jour-là. Qui est venu assister à ce concert et ça m'avait vraiment ému parce que c'est ma mère quoi, la Yerhama, elle a tout fait pour nous, qui m'a, j'arrête pas de le dire, elle nous a élevés, nous on est une famille, t'as 9 personnes là, donc j'ai vu les sacrifices qu'une maman a fait pour élever ses enfants et pour qu'on manque de rien, et donc du coup ma mère c'était vraiment ma source d'inspiration et elle a été ma muse dans un sens parce que elle a toujours des années, elle avait toujours, je parle d'elle au présent encore. Et elle avait toujours des anecdotes à raconter, des dictons, des proverbes. Ouais. Donc ça m'a toujours inspiré pour faire de la musique. Et je voulais lui rendre hommage sur scène et en lui disant Iman habbek, Iman habbek, Iman habbek. Et ça s'est fait. Voilà, et ça s'est fait. Et c'est surtout important de dire à ses parents, de dire à ses frères et sœurs qu'on manifeste cet amour verbalement. C'est pas juste honte à le dire. Non, c'est au contraire. Il faut le dire. Il faut le dire parce que ça fait énormément de bien à celui qui le dit et à celui qui reçoit aussi. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc il faut le dire, Leïla. Ouais. Tu entends? Moi je dis souvent je t'aime. D'accord. Il faut le dire à ses parents surtout. Oui, oui. À ses parents, ses enfants, qui regardent, j'imagine. Non. Voilà. Les parents. Allez, on dit tous aujourd'hui qu'on aime nos parents. Tout le monde, les caméramans, ils disent tous, tout le monde dit je t'aime à la famille, à leurs parents. Alors, vous restez avec nous. Dans quelques instants, justement, nous parlerons pas de la maman, la Yerhama, on l'a évoqué, on lui a rendu hommage, mais du tout petit. Oui. Pas du tout petit qui grandit. Oui, comme on dit, j'aurais jamais pensé dire ça, mais c'est l'homme de ma vie. On va dire que c'est ça. C'est vrai. Mais avant cela, je vous propose la rubrique Nostalgie. Et oui, vous savez, c'est un petit extrait qu'on vous propose d'un feuilleton, d'un film, d'une chanson. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? On a essayé un petit peu d'aller vers les goûts de Youssef dans l'univers. Je ne sais pas s'il va aimer, si je suis sûre qu'il connaît l'artiste en question. Regardez. Alors, si je vous dis Jimmy Wahid.
Bien sûr. Voilà, bien sûr, ça, ça veut tout dire. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Eh bien, c'est ce qu'on va vous proposer. Excellent. Un petit extrait de 1, 2, 3, vive l'Algérie. Excellent. De l'époque de Jimmy Wahid. On y va tout de suite, ça se passe dans la chronique Nostalgie. Que Jimmy Wahid, voilà. C'était le petit moment nostalgie. Vous rappelle des souvenirs. Oui, complètement. Vous savez pourquoi on l'a appelé Jimmy? Non. Eh ben moi aussi, je ne le sais pas. Elle est pas mais mal, non, celle-là. Mais on me l'a dit, ça là. Merci à Fatiha. Ouais. Voilà, Benissad qui vient de me souffler ça. Oui. Alors, Jimmy Wahid, parce qu'il ce qui paraît, il adorait Jimi Hendrix. Ah oui, d'accord. Et donc, quand on l'a appelé Jimmy, mais il a décidé de rajouter Wahid. Il a dit mon vrai prénom, c'est Wahid. Donc, Jimmy Wahid. C'est pour algérianiser ça. Voilà. Vraiment. Exactement, ça, c'est pour la petite information. Oui. Alors, je ne sais pas finalement ce qu'il devient. J'aimerais bien qu'on puisse rentrer en contact. Vous savez, vous, s'il est à Paris, Toulouse? Je pense qu'il est de Toulouse, mais ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles, je n'ai pas entendu parler. J'espère qu'il se porte bien. Voilà. Et on essaiera de l'avoir, pourquoi pas. On va faire nos petites recherches. Ah, Leïla, tu vas nous aider. Bouteille à la mer. C'est quelqu'un qui adore l'Algérie. Exactement. Peu de fois où je l'ai rencontré. Il ne parle que de l'Algérie. Donc c'est un amoureux de l'Algérie. Et c'est vrai qu'à l'époque, il avait fait beaucoup, beaucoup de succès, les années 90. Il m'a beaucoup inspiré, Jimmy Wahid. Pour moi, c'est... Il est talentueux, sa musique aussi. C'est un mélange de reggae, chant en arabe, en français, n'est-ce pas? Et c'est un des précurseurs. Tout à fait. Voilà, c'était le petit moment nostalgique en attendant demain. Demain, il sera question de cinéma. Voilà, je vous dis déjà de quoi il sera question. Ce sera le cinéma qui sera à l'honneur. Alors, Yous, on parle un petit peu... Du petit. Ah. Enfin, petit qui devient grand. Qui devient grand et il est en pleine adolescence. Donc, On rappelle le prénom? Elias. Elias, voilà. Elias. Voilà, moi je sais que Youth, il adore, enfin comme tous les papas d'ailleurs, mais c'est très particulier avec vous, Elias, il a une place très particulière. On a une relation vraiment fusionnelle, je dirais. Vous faites de la musique ensemble. On fait de la musique ensemble, on joue au basket ensemble, on joue aux jeux vidéo ensemble. C'est vraiment partager les passions avec son fils. Complètement. Et moi, j'ai perdu mon père, j'étais très jeune, donc je n'ai pas eu cette chance Donc du coup, c'est une manière aussi de combler une espèce de vide que j'avais en moi. Ouais. Et que mon fils le remplit amplement, quoi. Donc, Et il a très très bien rempli aussi dans une super belle chanson. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas le clip. En fait, vous avez mis le clip, ensuite vous l'avez retiré. Oui, mais c'est... Plus pour protéger mon fils. Vous avez raison. Je voulais pas l'exposer complètement. C'est vrai. Et le clip, je l'ai encore. Et quand il sera grand, il décidera lui-même. De le passer ou pas. Moi, j'ai eu la chance de le voir. Vous m'avez envoyé. Mais on va quand même écouter un extrait. Oui. Parce que je trouve que ce moment, il est juste magique. Et ça peut s'adresser à tous les papas qui nous regardent avec leurs petits, leurs enfants. C'est une belle déclaration d'amour entre le père et le fils. Et en plus, il chante. Ah oui, complètement. Il chante dans le titre. Il chante. Mieux que moi. On va juger. Oh, moi, je l'ai écouté. Leïla, je ne sais pas si elle connaît le titre. Allez, on écoute un petit extrait, s'il vous plaît.
Voilà, voilà, c'est tellement beau et émouvant. Hein, il chante bien le petit, hein. Ouais, c'est vraiment émouvant. C'est émouvant. Et on sent que ça vient du cœur. Et je tenais à passer cet extrait en attendant. Merci beaucoup, hein, merci de voir. Beaucoup, parce que même moi, ça, au fait, je ne l'écoute pas seul ce titre parce qu'il me fait pleurer à chaque fois. On est là. Donc voilà, je ne suis pas tout seul, ça va. J'arrive on est là. Il nous, avant, on me dit mais à la régie contre, qu'il les a tous fait pleurer. Donc ah, voilà, vous avez réussi votre coup, hein, finalement. Je suis désolé à la régie, je suis vraiment désolé. Mais non, mais c'est fait pour ça la musique ouais, aussi, ouais, hein, ouais. Pour toucher. Connect. Voilà, Inch'Allah. Et c'était même pas prévu de le mettre sur l'album, ce titre-là. Ah, comment donc, mais ça va pas. Bah, c'est ce que mes amis m'ont dit, je voulais le protéger et je suis un papa. Protéger un peu... clip, l'enfant, l'enfant, ok. L'enfant, je voulais tout. Mais quand même, même mettre. Même avec ça, j'avais peur. Non, j'avais non. peur. Non, et non, tout non. le monde m'a dit, y compris sa maman. On peut pas, vous pouvez pas nous priver d'un tel titre parce que ça fait du bien. Ça peut, je sais pas, peut-être que certains papas peuvent se remettre en question. Dire ah finalement j'en fais pas assez j'espère. Pour mes enfants j'espère. Voilà j'espère donc, que si ça, ça arrive à toucher une personne et que cette personne fasse une déclaration d'amour à ses enfants et eh ben je serai mm-hmm. pour moi c'est mission accomplie ah ben en tout cas vous avez tous donc, réussi à nous toucher Naya on beaucoup, est tous merci. Touchés merci d'avoir et, passé le et j'espère le avec plaisir et j'espère que vous le chanterez pourquoi pas en spectacle oui en oui concert. On l'a déjà fait on l'a déjà mm-hmm. fait ensemble il est monté avec moi sur scène pas et ici pas ici non faudrait faire ici oui ben avec cet été inchallah et donc voilà c'était un moment magnifique, le père et le fils sur scène. Alors, Yous, on peut écouter un petit... Je sais que les artistes n'aiment pas, mais Yous, je sais qu'il n'a aucun problème. On lui demande de faire un petit a cappella, il dit oui. Il n'y a aucun problème. Voilà, la belle. Bien sûr, bien sûr. Allez, un petit... Alors, c'est un petit hommage à Hachmi Glouabi. L'Ayrhamou Yusa'ale, parce qu'il m'a beaucoup inspiré, vraiment beaucoup inspiré. Je l'écoutais partout. J'allais même squatter les mariages où je n'étais pas invité. Ah bon? Maraud, mais j'y allais quand même. Et donc voilà, je voulais lui rendre hommage parce que c'est un grand monsieur et un grand artiste. Et donc je voulais faire le Madir l'Artebabour des derniers. Ah oui, en plus j'aime bien être la chanson. Je l'adore aussi. On a tous quelque chose à effacer. À effacer. On a beaucoup, beaucoup. J'ai quelque chose, voilà. Beaucoup de choses donc, à effacer. Je me suis dit, allez, fonce et on ne vit qu'une fois. Donc, autant faire sa déclaration, son hommage aux artistes qu'on aime. Donc, voilà. C'est parti. Bien, t'es que ça. Le madir l'aqtbab ou khdit ali. Le madir l'aqtbab ou khdit ali. الما دير غلقت بابو وقديت عليه الما دير غلقت بابو وقديت عليه الهرب عليك انت مولانا الشكوى ليك انت العالي انت الوكيل وانت القاضي نسيد الرجال اللي ضميرو هاني حمد الله رزاق الغاني عمرك ما تقول مولاي انساني الماضي غلقت بابو وقضيت عليه 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 Bravo Yous, hey, c'est ça l'artiste, c'est la voix, il l'a ou il l'a pas, et lui il l'a, mais c'est incroyable beaucoup, hein, la voix qu'il a Yous, franchement je suis très très contente que tu sois venue aujourd'hui. Franchement je suis super content, je suis honoré d'être là. Voilà. Donc je te laisse le mot de la fin parce qu'on arrive déjà à la fin. Aimez-vous les uns les autres, voilà. Dites à vos proches surtout. Que vous les aimez. Partager, il faut l'entraide, on est des musulmans, donc voilà. Si tu peux aider quelqu'un, ou fais-le. Ne serait-ce que lui redonner un petit sourire, fais-le. Voilà. Mais soyons heureux. Soyons heureux. Tout voilà. simplement. Exactement. N'est-ce pas ? Et bienveillant. Et bienveillant. Merci beaucoup, Yous. Merci, j'espère merci, te recevoir. Merci. Tu pars quand, bientôt ? Je pars dans quelques jours, mais je reviens dans un peu moins d'un mois. Tu reviens. Ouais, je reviens. Ça va. Merci beaucoup. Marhaba bik. Merci, Layla. Merci. À demain ? Oui, sans faute. Tu peux nous dire de quoi il s'agira ou là ? On parlera de bijoux. De bijoux. Oh, génial. Africain, bien sûr. Toujours. Toujours. Merci, Layla. À demain. Yous, à très, très bientôt. C'était un plaisir. Tu embrasseras donc l'homme de ma vie. L'homme de ta vie, Elias, voilà, Elias. Je ne sais pas s'il nous regarde, en tout cas, on lui fait si, de très, très, très gros bisous, Elias. Voilà.
Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que l'émission a été à votre goût. On se retrouve dès demain à partir de 15h en direct. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal.